Amateurs de Sudoku, bonjour. Voici donc la grille de niveau 11 que je vous avais annoncée la dernière fois, c'est-à-dire donc une grille difficile. Alors nous allons faire bien sûr comme d'habitude. Donc nous partons ici, il y a un 4, ici un 4, ce qui en diagonale nous fait un 4 là, c'est-à-dire, je m'explique, ce 4, pas de 4 ici, ce 4 empêche un 4 là, celui-ci empêche un 4 ici, nous aurons donc un 4 sur cette case. Ensuite, il y a un 2 ici, un 2 là, donc pas de 2 ici, pas de 2 là. Nous aurons donc un 2 ici. Nous continuons. Ici, il y a un 5 ici, un 5 là. Donc avec ce 5, pas de 5 ici, celui-ci, pas de 5 là, celui-ci, pas de 5 là. Nous aurons donc un 5 ici. C'est un niveau 11, mais il n'est pas trop difficile. L'avantage aussi avec les niveaux élevés, c'est qu'il y a moins de chiffres. Donc ça va beaucoup plus vite pour l'analyse. Ici, il y a 2 9, un 9 ici, un 9 là. Donc pas de 9 ici, pas de 9 là. Il y aura un 9 sur l'une de ces trois cases. Horizontalement, il y a un 2, un 2. Pas de 2 ici, pas de 2 là. Un 2 ici. Il y a un 5, un 5. Pas de 5 ici, pas de 5 là. Un 5 sur l'une de ces trois cases, mais 2 parce qu'il y a un 5 là. Ensuite, il y a un 6 ici, un 6 là. Donc pas de 6 ici, pas de 6 là. Il y aura un 6 sur l'une de ces deux cases. Après ici, il y a un et un 1, donc pas de 1 ici, pas de 1 là, pas de 1 ici. Voici le 1. Et ce 1, pas de 1 ici, celui-ci, pas de 1 là. Il y aura donc un 1 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, il y a un 4 ici, un 4 là. Donc pas de 4 ici, pas de 4 là. Il y aura un 4. Ici. Le 8. Un 8 ici, un 8 là. Pas de 8 ici, pas de 8 là. Il y aura un 8 ici. Je vais trouver cette grille sympathique. Elle est agréable. Alors ensuite, on va s'arrêter là. On va passer au doublon. Alors ici, 2, 4, 2, 4, il n'y a rien. Ici, 4 et 5. Alors, ah, voilà. Alors ici, il y a un 4. Donc, pas de 4 ici. Un 4 ici, pas de 4 là. Donc, nous aurons un 4 sur l'une de ces trois cases. Et alors, ce 4 interdit un 4 ici. Celui-ci interdit un 4 là. Donc, nous aurons un 4 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, ça va vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Alors un 5 ici, donc pas de 5 ici. Ce 5 empêche un 5 là. Il y aura donc un 5 ici. Ici un 3, ça donne rien. Ici 2, 4, ça donne rien. Ici 2, le 2. Alors ce 2 interdit un 2 ici, ce 2 interdit un 2 là, nous aurons donc un 2 sur l'une de ces deux cases, parce qu'il y a un 2 ici. Alors on a fait verticalement, maintenant horizontalement. Horizontalement, s'il y a 2, 9, le 9 ici donne rien. Ici, nous avons un ici, donc pas de 1 ici. Un là, donc pas de 1 ici, il y aura donc un 1 sur l'une de ces trois cases. Et ce 1 interdit un 1 ici, celui-ci interdit un 1 là, il y aura donc un 1 ici. Ensuite, nous avons ici un 6, ce 6 interdit un 6, non mais bon, ça ne donne rien. Passons à ce doublon là. Ici, ce 1 interdit un 1 là. Ce 1 interdit un 1 ici, il y aura donc un 1
ici. Et pareil, ce 1 interdit un ici, ce 1 interdit un là, nous avons un ici. Voilà, alors ici j'ai un 4-8, mais j'ai un 4-8 dans le carré, ça ne donne rien. Ici, doublon, alors 4-5, ben, les 4-5 sont là. Le 2 est là, ça ne donne rien. Ici, un 4-5-8, alors 1. Alors le 8 est là, le 4. Ben, le 4 ne donne rien non plus. Voilà, nous en avons fini avec ça. Maintenant, les triplés. Alors, nous avons les triplés, il n'y en a qu'un. Il y en a un ici. Alors, ce 4 ici nous donne un 4 là, on l'avait déjà trouvé. Ensuite, ici, il y a un 8, on les a là. S'il y a un 8, ben oui, on les a là. Le 2, ah tiens, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Le 2. Ce 2 interdit un 2 là. Ce 2 interdit un 2 ici. Donc nous aurons 2 sur l'une de ces deux cases. Je viens de m'apercevoir d'un gros oubli. Ici j'ai un 5, ici un 5, donc pas de 5 ici, pas de 5 là. Il y aura donc un 5 ici. Ensuite, ce 5 interdit un 5 là, celui-ci interdit un 5 là, ce 5 interdit un 5 sur cette case, donc nous aurons un 5 ici. Voilà, et alors du coup, nous avons un nouveau doublon ici, mais qui ne nous donne rien. Un nouveau doublon avec ces deux-là. Alors là, j'ai 2, 5, 6, mais ça ne donne rien non plus. Et nous avons un triplé ici. Alors ici, nous pouvons sortir que ce 8 empêche un 8 ici. Oui, bon, là, je dis des bêtises. Oui, voilà. Bon. De toute façon, si on a perdu quelque chose, on va le retrouver ensuite, comme d'habitude. Alors maintenant, commence les carrés. Commençons par celui qui est le plus rempli. Ici, il nous manque 3, 6, 9. On ne peut rien tirer. Ensuite, celui qui est le plus rempli, c'est celui-ci. Là, il nous manque 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Mais on ne peut pas en tirer grand-chose. Hein. Et c'est une grille difficile. On le voit bien. Bon, passons maintenant à celui-ci. Alors, il nous manque 2, 4, 6, 7, 8. Alors, nous avons vu que le 4 est là. Le 2 est là. Le 6. Ça ne nous donne rien. Alors, maintenant. 2, il nous manque 2, 4, 6, 7, 8. Je dis bêtise, 9, 2, 4, 6, 7, 9. Alors, ici nous avons 6, 9, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Donc ici 2, 4. 2, 4, 6, 7, 9. 2, 4, 6, 7, 9. Voilà. Ici, alors là, nous avons le 4, donc ici, ça sera 2, 7. 2, 4, 6, 7, 9. Voilà. Ici, on va s'arrêter là. On va passer à celui-ci. Là, il nous manque 2, 3, 6, 7, 9. Alors, le 2 est là. Le 3, on met 3 de cases. 2, 3, 6, 7, le 7. Le 7 ne peut pas être ici, ne peut pas être ici, comme celui-ci. Donc le 7 sera ici ou là. Et le 9, ben, il n'y a rien. Alors, je récapitule. 2, 3, 6, 7, 9. Ici, nous avons 3, 6, 7. Donc, là sera 2 ou 9. 2, 3, 6, 7, 9. Ici, nous avons le 2, donc ça sera 3 ou 9. 2, 2, 3, 6, 7, 9. Voilà, c'est bon.
Alors maintenant, on va passer à les carrés qui ont trois chiffres. Alors, 1 ici nous manque. 1, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Alors le 1 qui était là, le 1, 5 est là, le 6 il n'y a rien, le 7 peut-être ici, là, 3 cases, 8, 9. Bon, je répète. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, recommençons. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 3 chiffres, on n'en veut que 2. Ça ne marche pas. Ici, 1, 5, 6, 7, 8, 9, ça ne donne rien. Ici non plus. Ici, j'ai 8, 9. Ici, j'ai 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ne marche pas. Ici non plus. Ici, il nous manque 1, 3, 4, 6, 8, 9. Donc 1 et 4 sont là, le 3 cases, 1, 3, 4, 6, 8, 9, il n'y a rien. Alors, ici, 1, 1, 3, 4, 6, 8, 9, donc là c'est bon, on ne pourra voir que 1 ou 9. 1, 3, 4, 6, 8, 9. Et ici, il nous faudrait 1, 3, 4, 6, 8, 9, mais on ne veut que 2 chiffres et pas 3. Il nous reste maintenant les carrés à 2 chiffres. Alors ici, on a le 1, on a vu, le 2, est ici, le 3 donne rien. Non, le 3 donne rien, le 4. 5, 6, 7, 8, ça ne donne rien. Ici, là, ici, oui, le 1, bon, le 1, on l'avait déjà trouvé. Le 2 que j'ai oublié tout à l'heure, on ne pourra avoir un 2 que sur l'une de ces deux cases. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, rien de plus. Ici, ce carré, alors le 1, il est déjà vu, 2, 3, pour une fois on a un 3, il n'y en a pas beaucoup dans cette grille. Le 3, 4, 5, 6, 5 on avait trouvé, 7, 8 et 9, ben c'est tout. Voilà, pour les carrés, c'est tout. Bien maintenant, il va falloir passer aux colonnes et aux lignes. Alors, la colonne 1, il nous manque 1, 5, 6, 8, 9. Ça ne nous donne rien. Et comme je vous ai montré la dernière fois, on va regarder maintenant les chiffres bloqués sur deux cases. Alors, le 1 peut être ici ou ici, ça c'est vu. Le 1, 5, j'ai dit non. J'ai dit donc 5, le 5 peut être ici. Peut-être là, donc le 5 va être soit ici, soit là. 6, le 6 peut être ici, ici ou ici, ça ne nous intéresse pas. Le 8 peut être partout, le 9 peut être à 3 cases disponibles. Donc ça ne nous intéresse pas. Ici, il nous manque 3, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 7, 8, 9, bon, ça ne va pas. Ensuite, le 3 peut être pas ici, ici, ici. Le 6 peut être ici, 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 ça fait 3 cases. 7 peut être ici ou là. 8, pas ici, mais c'est tout. Le 9, pas ici, mais c'est tout. Ça ne nous intéresse pas. Troisième colonne, il nous manque 1, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 3, 5, 6, 7, 9, il n'y a rien à en tirer. Le 1 ne peut pas être ici, il peut être là, il ne peut être que là. Le 3 peut être ici, là ou là, donc c'est pas intéressant. 5 peut pas être ici, ici le 5. Peut pas être ici, peut pas être ici, peut pas être là. Donc le 5 peut être soit ici, soit là.
Le 6 a 1, 2 et 3 cases de plus. Et 7, le 7 ne peut être ici. 7, 7, 7, ça marche. 8, il y a 9. Le 9 peut être ici, ici, ici. Bon, n'insistons pas. Quatrième colonne. Il nous manque 1, 3, 6, 7, 8, 9. 1, 3, 6, 7, 8, 9. Ben, il n'y a rien. Le 1 est ici, le 3 peut être ici, ici, intéressant. Le 6 peut être ici, ici ou ici. Le 8 non plus, le 9 n'en parlons pas, il y a un seul 9 dans la grille. Colonne 5, il nous manque le 2 qui peut être ici, ici, c'est tout. Donc le 2 sera ici ou ici. Le 3 peut être ici, dans beaucoup d'endroits. Le 4, 1, 2, 3 cases possibles. Le 5, y est. Le 6, peut être ici, ici, ici. Le 7, peut être un peu partout, dans beaucoup d'endroits. Le 8 n'est pas intéressant. Et le 9, il y en a trop dans la grille. Ici, ça c'est beaucoup plus fourni. Ici, il nous manque 1, 2, 3, 4, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 9, ça se vérifie bien. Ici, ben, on ne peut pas. Ici, on ne peut pas non plus. Ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 9. Et ici, 1, 2, 3, 4, 9. Alors, le 1 est ici, le 2 ne peut pas être ici, peut être ici, ou ici. Le 3 peut être ici, ici, ici. Le 4 peut être ici, en deux cases. Le 4 et le 4, et le 9 peut être en beaucoup d'endroits. On voit déjà que cette colonne sera très importante. La colonne 7, il nous manque 4, 6, 7, 8. Ah, alors ici, j'ai 4 et 8. Donc ici, il ne pourrait y avoir que 6 ou 7. 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. Alors le 4 peut être ici. Ici, c'est tout. Donc, on marque le 4. Le 6 peut être ici. Ici, ici, le 7 peut être ici, 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 le 8, voilà, et le 9 y est déjà. Alors, colonne 8, le 2. Le 2 peut être ici, ou ici. Donc, deux cases pour le 2. Le 3 peut être ici, 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 ici. Le 4 peut être ici, ici. Oui, bon, n'insistons pas. Le 5, il y est. Le 6, peut-être ici, 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 ici. Le 7, n'est pas intéressant. Le 8, comme d'habitude. Et le 9, pour une fois, est intéressant. Il ne peut être que sur ces deux cases-là. Ensuite, une colonne 9. Il nous manque 2, 3. 1, 2, 3, 4, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 7. C'est bon. Ici, rien à tirer. Ici non plus. Le 1 est là. Le 2 peut être ici. Ici ou ici. Le 3 peut être ici. Oula, donc nous avons deux cases possibles pour le 3. Le 4 peut être ici, ici, ici. Le 7 peut être ici, ici. Passons maintenant aux lignes. Alors la première, il nous manque 1, 3, 4, 6, 8, 9. Ici ça ne donne rien. Alors ici, 1, 3,
4, 6, 8, 9, non, non plus. Et ici, 1, 3, 4, 6, 8, 9, ça ne donne rien non plus. Alors, le 1 peut être ici, ici, ici. Le 3 peut être ici, ici, ici. Le 4 est déjà trouvé. Le 8, il y en a très peu dans la grille. Et le 9, même chose. Deuxième ligne, il nous manque 1, 2, 6, 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 6, 7, 8, 9. Le 1 peut être ici, ici, ici. Le 2 est déjà trouvé. Le 6 peut être en beaucoup d'endroits. Le 8, n'en parlons pas. Le 9 non plus. Troisième ligne. Le 1 peut être ici, ici, et c'est tout. Donc nous aurons 1 ici, 1 ici, et c'est tout. Le 3, 3 cases, le 4 est déjà trouvé, le 5 aussi, le 6, rien, il n'y a rien, le 8, n'en parlons pas, le 9 est là. Ici, il nous manque 1, 3, 7, 8, 9. Ça donne rien. Le 1 peut être ici ou là. Le 3 peut être ici, dans beaucoup d'endroits. Le 7 aussi. Le 8 aussi, bien sûr. Et le 9, n'en parlons pas. Cinquième ligne, il nous manque le 2 qu'on a déjà trouvé, le 3. Le 3 peut être en beaucoup d'endroits, le 4, 4 endroits, le 5 est déjà trouvé, le 6 y est, le 7, beaucoup d'endroits, le 8 aussi, le 9 aussi. Ici, 1, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Il manque un 6, 8. Alors, le 1 peut être ici ou ici. Le 3. Peut-être en beaucoup d'endroits, le 4 à une case, deux cases, trois cases, 4, 6, déjà trouvé, le 7 en beaucoup d'endroits, et le 8, n'en parlons pas. Septième ligne, il nous manque 3, 6, 7, 9. 3, 6, 7, 9, alors, A. Une chose que je n'avais pas vue tout à l'heure, nous avons ici un 7, le 7 ne peut pas être ici, le 7 ne peut pas être là, et il ne peut être nulle part ailleurs, donc il est obligatoirement ici. J'aurais dû le voir tout à l'heure, ça, mais on ne voit jamais tout. Comme j'ai répondu une fois, je ne suis pas encore parfait, mais je me soigne. Mais il y a encore du boulot. Alors, ce 7 va nous interdire un 7 ici, bien sûr, celui-ci aussi. Nous aurons donc un 7 sur l'une de ces trois cases. Et nous allons exploiter tout ça, parce que on a donc trouvé un 7 ici. Alors, ça va nous changer le carré, pour commencer. Donc ici, il nous faut 2, il nous manque 2, 3, 6, 9. Ce qui veut dire déjà que le 6 ne pourrait être que ici. Là. Ensuite, on avait donc ici 2, 3, 3 ou 9, ici 2 ou 9, ici
Rien et ici, rien. Bien. Maintenant, est-ce que ce 7 bouge quelque chose dans ce carré? Non. Dans celui-ci non plus. Dans ce, ben ici, ça a été vu, on a mis un 7 ici. Alors maintenant, il nous reste, nous avons la colonne. Ici, il nous manque sur cette colonne, puisque nous venons de mettre un 7, elle est donc modifiée. Alors, il nous manque ici 2, 3, 4, 6, 8, 9. Alors ici, 2, 3, 4, 6, 8, 9, bien sûr. 2, 3, 4, 6, 8, 9. Non, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. 2, 3, 4, 6, 8, 9, non plus. Alors, ensuite, le 2 ne peut pas être ici, il peut être ici ou ici. Oui, on l'avait déjà vu. Le 3, ça ne change rien. Le 6, ça non plus. Le 8 non plus. Le 9 non plus. Et maintenant, nous reprenons notre ligne où il nous manque 3, 6, 9. Ça ne nous change rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Le 6, en revanche, si. Le 6 ne peut pas être ici. Donc le 6 sera là. Bon, ça ne change pas grand-chose non plus, mais ça me servira certainement à l'avenir. Alors, la ligne 8, il nous manque maintenant 2, 4, 6, 9. En 2, 4, 6, 9, ça c'est vu, là il n'y a rien. 2, 4, 6, 9, c'est fait. 2, 4, 6, 9, il n'y a rien. Le 2 peut être ici, le 4 là, le 6 ne peut pas être ici. Donc le 6 peut être ici ou ici. Quant au 9, n'en parlons plus. Alors la dernière ligne, il nous manque 2, 3, 6, 7, 9. Alors ici 2, 3, 6, 7, 9, c'est déjà vu. Ici 2, 3, 6, 7, 9. Ici, non, il n'y a pas grand-chose à sortir. Alors, le 2 ne peut pas être ici, ne peut pas être là, on l'avait déjà trouvé. Le 3 ne peut pas être ici, donc le 3 serait ici ou ici. Nous voyons déjà que sur cette case, nous pouvons avoir ces trois chiffres. C'est assez rare. Et c'est une bonne indication, en principe, pour la suite. Le 6. Bon, le 7. Voilà. Et le 9, n'en parlons pas. Donc, nous avons fini avec ça. À moins que j'ai oublié quelque chose. Voyons ça. Et si j'ai oublié quelque chose, et quelque chose d'important. Ici, je ne peux avoir que 2 ou 4. Mais ici, j'ai un 2. Donc ici, nous avons un 4. Et il nous faut donc revoir ce que ça donne. Alors ce 4, sur ce bandeau, ça ne change rien. Sur celui-ci... Mais ce 4-là et le 4-là font que nous ne pouvons avoir un 4 que ici ou là. Ensuite, il nous manque pour l'instant 3, 4, 7, 8. Alors nous, là, nous avons 4, 8, donc ici nous aurons 3, 7. Il ne nous manque qu'un 3 ou un 7. Or ici, ça ne change rien. Enfin, sur ce carré, ça ne change rien. Sur la colonne, il nous manque 1, 2, 3, 7. Donc ici, là nous avons 2, 7. Donc ici, il ne pourrait y avoir que 1 ou 3. Et ensuite, sur cette ligne, il nous manque 2, 6, 9. Ça ne nous change pas grand-chose. Je crois que j'ai oublié aussi, quelque part, 1, 1. Oh,
Non, j'ai rien oublié. Bon, et bien maintenant, je vais mettre cette grille au propre pour que nous passions à la résolution proprement dite. Nous avons fini la phase d'analyse, maintenant nous allons passer à la phase de résolution. Voilà, la grille est maintenant un peu plus propre, un peu plus utilisable. Alors, je dois dire aussi que mon feutre a rendu l'âme, ce qui fait que maintenant je vais utiliser un stylo bille. Manque de bol, j'en avais qu'un. Il faut que je m'habitue à en acheter deux. Alors, évidemment, le système est toujours le même. Il va falloir que nous remplissions les cases pour arriver à la solution de la grille. Quand toutes les cases seront remplies, nous aurons donc obligatoirement des croix un petit peu partout. Toutes ces lignes et toutes ces colonnes feront des croix. Et on essaie toujours de voir si on peut trouver une croix ou ce qui s'en rapproche le plus. Alors là, déjà, il y a une colonne que l'on peut faire assez rapidement, puisqu'on voit qu'ici, si on pose, le plus simple, c'est mettre un 9 ici. Si on met un 9 ici, ça nous positionne le 1 là. Et ça nous donne ici un 3, ici un 2. Nous avons donc déjà une colonne. Ensuite, nous avons presque une ligne ici, puisque nous aurons ce chiffre ici, le 3, et ici nous aurons que deux chiffres. Donc notre ligne, oui, pardon, sera presque terminée. Alors c'est sur cette hypothèse-là que je suis parti, et j'ai donc positionné un 9 ici, en indiquant comme d'habitude, comme ça. Alors ce 9, ben, comme je viens de dire, il nous donne ici un, ce 1 nous donne ici un 4. Alors, exploitons-le, ce 4 interdit un 4 ici, celui-ci interdit un 4 là, donc nous aurons un 4 ici. Ensuite, ce 4 interdit un 4 là, celui-ci interdisait un 4 là, donc nous aurons un 4 ici ou là, mais ici il y a un 4, donc nous aurons un 4 là. Et on voit que ce 4 est intéressant. Il nous positionne, nous avons ici un 4, ici un 4, et là il ne pouvait y avoir un 4 que sur ces trois cases. Donc le 4 sera ici. Et on voit que déjà ça paraît sympathique. Alors le 9, comme nous avions dit, nous donne ici un 3. Ce 3 nous donne, le 9 toujours nous donne ici un 2. Ce 4 nous donne ici un 2. Donc nous avons bien les 3 2. Le 3 ici, est-ce qu'il va nous donner quelque chose? Non, pas grand-chose, sauf qu'ici nous ne pourrons plus avoir que 3 ou 6. Mais ça s'arrête là. Alors, ici, ce 4 interdit. Non, là tout est bon, je suis en train de dire des bêtises là encore. Enfin, de m'égarer, disons. Ben maintenant, non, je ne vois rien que l'on puisse voir directement. Donc on va essayer, ah ben si, ici, sur cette ligne, il ne nous reste que deux chiffres. Il nous manque le 6 et le 9. Donc nous aurons ici soit 6, soit 9. Et si nous avons ici 6 ou 9, il ne nous reste, manque plus qu'une case à remplir. Nous aurons donc ici un 3. Ce 3 qui va interdire un 3 ici, ce 3 qui va interdire un 3 là, et nous aurons donc un 3 sur l'une de ces trois cases. Ensuite, on va faire l'analyse comme d'habitude. Alors commençons par les carrés. Sur ce carré, il nous manque 3, 6, 8. 3, 6, 8. Alors nous avons un 3 ici. Donc pas de 3 sur ces deux cases. Nous aurons donc un 3 ici. Ce 3 qui va interdire un 3 ici et qui va même nous donner le 1 là. Alors ensuite, ce 1 va interdire un 1 ici. Ce 1 interdit un 1 là, nous aurons donc un 1 ici. Je vous avais dit que j'avais trouvé cette grille sympathique. Ça se confirme. Ça se confirme. Alors maintenant, ici, il ne nous manque plus que deux chiffres qui sont obligatoirement le 6 et le 8. Donc je vais porter ici 6, 8. Et sur cette ligne, il ne nous manque plus qu'un chiffre qui est le 7.
Nous aurons donc ici 2 ou 7. Je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça. Alors, ce 7 nous interdit, ben, ce 7 interdisait déjà un 7 là, donc nous aurons un 7 sur l'une de ces trois cases, enfin deux cases, parce qu'il y a un 7 ici. Puis maintenant, on va s'attaquer à ce carré. Il ne nous manque plus que trois chiffres qui sont le 3, le 6 et le 8. Or ici, nous avons un 3 qui interdit le 3 là. Non, il nous manque... Oui, qui interdit le 3 ici. Donc nous aurons un 3 sur l'une de ces deux cases. Et ce 3 interdit un 3 ici. Ce 3 interdit un 3 là. Nous aurons donc un 3 ici. Sur ce carré, ce 3 interdit un 3. Ce 3 interdit un 3 là. Nous aurons donc un 3 ici. Et donc, sur ce carré, ce 3 qui ne pouvait se trouver que sur ces trois cases, ne peut plus se trouver qu'ici. Bon, je vous disais qu'il était sympathique. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Ici, il ne nous manque plus que deux chiffres, qui sont 7 et 8. Bon, ben 7 et 8, ça ne change rien. Ici, il ne manque 4 chiffres, donc 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. 1, 7 ici, on avait déjà un 7 là, on a trouvé ici. Nous avons 9. Le 9 interdit un 9 sur ces deux cases. Donc nous aurons un 9 sur l'une de ces trois cases. Alors je vais le mettre ici. Ça paraît un peu anachronique puisqu'il est en face de celui-ci, mais le but c'est que ici, sur ces trois cases, nous avions déjà un 1 et un 7. Nous aurons maintenant un 9. Donc ces trois cases sont maintenant bloquées. C'est pour ça que j'ai mis le 9 ici, pour qu'on le distingue bien, qu'on voit bien. Et du coup, il ne nous manque plus qu'un chiffre ici, qui est le 8. Alors ce 8 nous met en place le 8 qui ne peut plus être là. Donc le 8 est ici, et le 6 est là. Alors maintenant, ce 6 interdit un 6 ici, et nous met donc un 6 là. Ce 6 nous met ici un 7. Lequel 7 nous met ici un 2. Ce 2 nous place le 2 et le 7 qui étaient là. Donc le 2 sera là, et le 7 sera là. Quant au 7 maintenant, nous avons un 7 ici qui interdit un 7 là, donc nous aurons un 7 ici. Et ici, sur ce carré, il ne nous manque plus qu'un chiffre, qui est le 8. Que nous empressons d'inscrire. Et sur cette colonne, il ne nous manque plus qu'un chiffre, qui est le 6. Voilà. Alors maintenant, nous avons un 6 ici, un 6 là, et puis ici, il ne nous manque plus que deux chiffres. Donc ici, il ne nous manque plus que 6 et 9. Mais nous avons un 6 ici. Donc nous aurons ici le 6 et ici le 9. Sur ce carré, il ne nous manque plus qu'un chiffre, qui est le 9. Tout ça est très sympathique. Voilà, oui, j'ai oublié ici. Ici, il nous manque, sur ce carré, il nous manque le 3 et le 8. Donc nous aurons, ah ben le 3 est ici, donc le 3 sera là, et le 8 sera là. Ce qui va nous poser, si on est le 8, ici. Sur ces trois cases, nous ne pourrons avoir que 5, 7 ou 8. Et donc, nous allons avoir ici deux chiffres qui seront, il nous manque le 6 et le 9. Nous aurons donc ici soit 6, soit 9. Nous voyons que notre grille a bien avancé. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est un niveau 11, donc en principe, ce qui est le plus difficile. Et tout compte fait, on s'en sort très bien. Alors, il nous reste maintenant ce carré. Là, tout est à peu près bouclé, sauf que il y a des chiffres aléatoires, parce que nous ne savons pas exactement où ils se situent.
mais les carrés sont quand même bien cernés. Celui-ci, en revanche, ne l'est pas du tout. Alors ici, nous avons, il nous faut 1, nous savons qu'il est là. Il nous faut 1, 5, 6, 7, 8, 9. On ne peut pas trouver grand-chose. Donc nous nous retrouvons à un stade qu'on trouve souvent dans les sudoku un peu difficiles, c'est-à-dire que nous sommes bloqués. Nous avons bien avancé, nous avons quelque chose qui est très bien. Les chiffres que nous avons, ben ici nous avons choisi un chiffre sur 2. Donc nous savons qu'il y a 50 chances sur 100 pour que ce soit le bon chiffre, mais ça ne fait jamais qu'une chance sur 2, on n'est pas certain du tout. Et on ne peut pas la terminer. Alors jusqu'à présent, dans toutes les vidéos que je vous ai montrées, on essayait de voir en partant de ce chiffre si on pouvait remonter vers un chiffre clé. On se disait, ça doit être un chiffre certain, ça doit être à 50%. Mais on n'en est pas sûr. Et si on trouve un autre chiffre qui nous amène à ce chiffre-là, ben on va l'essayer, on va voir. Et là, manque de bol, eh bien on ne peut pas. Parce que qu'est-ce qui peut nous donner ce 9? Ben, tout est plein ici, tout est plein là, donc on a bien fait une croix. On a même fait une croix multiple avec plusieurs colonnes et plusieurs lignes, mais on ne peut pas le terminer. Donc il va falloir passer à autre chose. C'est ce que nous allons faire. Alors pour ça, ben on va recommencer à zéro. On va dire, supposons que ce chiffre soit certain. On sait qu'il y a une chance sur deux pour qu'il soit bon. Que va donner notre grille? Alors, et puis on continue comme on a fait au départ, c'est-à-dire qu'on recommence. Ici, par exemple, on sait que nous avons 5, 7 et 8 sur ces trois cases. Alors ici, il y a un 7, donc ici, nous ne pourrons avoir qu'un 5 ou un 8. Ici, nous avons un 5, donc nous ne pourrons avoir qu'un 7 ou un 8. Et ici, nous ne pourrons avoir qu'un 5 ou un 7. Ici 6, 9, donc il n'y a pas de question à se poser, ce sera 6 ou 9. Ici, on va faire parler les plus simples d'abord. Ici, nous ne pouvons avoir que 1, 7 ou 9. Il y a un 7, donc ici, ça sera 1 ou 9. Ici, il y a un 1, donc ça sera 7 ou 9. Et ici, il y a un 9, donc ça sera 1 ou 7. Et ici, 6 ou 9, on ne se pose pas de questions non plus. Ça devient plus compliqué ici, mais bon, on a l'habitude maintenant. Alors ici, il nous manque 1, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ici, j'ai 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ben non, trois chiffres, ça ne colle pas. Ici, 1, 1, 5, 6, 7, donc je ne pourrai avoir que 8 ou 9. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ici, 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 ben 1, 5, 6, 7, 8, 9, ça ne marche pas. Ici, j'ai 1, il n'y a rien, c'est pas intéressant. Ici, 1, 5, 6, 7. Donc 5 ou 7. Non. Si, 5 ou 7. Et on remarque une chose, ici je ne peux avoir que 6 ou 9. Ici je ne peux avoir que 6 ou 9. Donc effectivement, 5 et 7 et 5 et 7 là sont cohérents puisqu'il ne restait plus que 2 cases. Alors maintenant, ici. Alors je dis 1, 5, 6. 7, 8, 9. Si 1, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 3 chiffres, ça ne marche pas. Ici, 1, 5, 1, 5, 6. Donc ici, ça sera 1 ou 5. 1, 1, 6. 1 ou 6. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, 1, 5, ça sera 6, 7. On récapitule, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on refait les colonnes et les lignes. Alors, les colonnes, commençons, bon, ici c'est fait, il n'y a pas de souci. Ici, ben, on l'a déjà vu, hein, 6, 9, on a 2 fois 6, 9 et 2 fois 5, 7.
Celle-ci. Il me manque 6, 7, 8, 9. Donc elle est complète. J'ai mes arrangements de chiffres. Je ne sais pas exactement comment ils vont s'arranger, mais c'est fait. Et il me reste celle-ci, où il manque 1, 5, 6, 8, 9. Alors 1, 5, 6, 8, 9, c'est bon. Ici 1, 5, 6, 8, 9. Donc ici, je ne pourrais avoir que 5 ou 9. Je récapitule 1, 5, 6, 8, 9. 1, 5, 6, 8, 9, c'est bien ça. Ici, 1, 5, 6, 8, 9, ça ne marche pas. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à recommencer notre résolution comme nous avons fait précédemment. Alors bon, on peut prendre un peu n'importe quel chiffre. Le mieux, c'est d'essayer de faire une croix, mais ça n'a rien d'évident dans ce genre de truc. La solution que j'ai choisie, c'est de mettre un 9 ici. De toute façon, là, je sais que j'ai 25 chances sur 100 d'avoir le bon chiffre. Si ce n'est pas bon, ben, il me suffit de recopier ma grille et de recommencer avec le 6. Et si ça ne marche pas, ben, c'est que c'est ce 9-là qui n'est pas bon. C'est un peu compliqué, mais c'est un niveau 11. Alors, donc, j'avais mis le 9 ici, qui me positionne un 6 ici. Ce 6 me positionne ici un 1, qui me met ici un 6. Ce 9 me met ici un 6, qui me met ici un 9. Le 9 nous donne un 8. Ce 8 nous donne ici un 7, qui nous donne un 5, qui nous donne un 8. Le 5 nous donne ici un 7. Et nous avions donc le 5 peut-être sur l'une de ces deux cases. Le 5 se trouve donc ici. Il ne nous reste plus qu'un chiffre à mettre, qui est maintenant le 9, qui est ici. Voilà. Et on peut voir que, ma foi, tout ça c'est cohérent. En fait, pour être franc, je l'ai fait de tête avant de. Comme il y avait très peu de chiffres, j'ai fait de tête. C'est un exercice un peu périlleux parce qu'on se mélange assez vite. Mais enfin, voilà. Ah, je l'ai oublié. Ici, il nous reste trois chiffres qui vont venir tout seuls. Ce 7 nous donne ici le 9. Le 9 nous donne le 1 et le 1 nous donne le 7. Voilà, et ensuite il ne reste plus qu'à vérifier que tout est bien respecté, que nous avons bien les 9 chiffres dans chaque case, sur chaque colonne et sur chaque ligne. Voilà, bien nous avons donc résolu un sudoku de niveau 11, ce qui est une très bonne chose. Voici la grille que j'ai prévue pour le 10 mai. Elle m'a été envoyée par un internaute, par Brice. Elle est compliquée et elle est complexe et elle est intéressante. Et je vous dis donc à bientôt pour le 10 mai. Je vous présente la dernière édition de mon livre, Résoudre les Sudoku. Il est publié et en vente chez Amazon en tant qu'auto-éditeur. Il regroupe la majorité de mes trouvailles en matière de résolution de Sudoku. Et je considère que il fait un tandem avec les vidéos parce que les démonstrations sont beaucoup trop longues pour être mises dans un livre. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, qui a bien voulu accepter de me laisser utiliser ses grilles et son échelle de difficulté. Vous voyez apparaître sur l'écran l'adresse de son site internet. Je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé, Mathefada, c'est-à-dire le mathe cinglé qui me correspond très bien, et sur lequel je publie mes réflexions, qui semblent iconoclastes, mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées?